En théorie, t'es bon, mais sur le terrain, t'es pas bon. C'est comme toi. En théorie, t'es un bon père, mais en pratique, t'es foireux. Tu sais combien ça coûte à la société, tes suicides? Franchement, c'est quoi ton problème? Je vous ai inscrit à une sorte de thérapie. C'est non négociable. Vous allez en thérapie? Non. Aventure père-fils, c'est l'expérience d'une vie. Vous allez en baver, c'est sûr, hein? Mais vous allez aussi vibrer comme jamais. Pour vous rapprocher, nous allons provoquer un puissant mouvement tectonique. Vous allez choisir une figurine qui représente votre père. Un taliban. Et j'ai trouvé ça. Je trouve que ça le représente très bien. Pour te représenter, papa, j'ai choisi un tas de merde. T'es pas obligé d'utiliser des mots. Fais-moi un beau cri primal. On sait pas si tu cries ou si t'as une gastro. Va la fermer, ma chérie. C'est pas le moment de devenir sensible. Il est fondamental de se toucher. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Faites-vous un câlin. Il a glissé. J'ai un tétard dans le caleçon. Ça fait 28 ans que t'as un tétard dans le caleçon. Je veux voir des pères et des fils en harmonie. Je veux te massacrer. T'es malade, c'est un jeu. Vous n'avez pas envie de vous aimer? Si. Bah ouais, très envie. Ouais. Ils ont 873 amis sur Facebook, mais quand ils doivent déménager, il n'y a plus personne. Et qui c'est qu'ils appellent? Papa. T'es un comique. Je suis contente. Je suis très contente. On devrait peut-être profiter de l'occasion pour essayer de se rapprocher. Pour de vrai, tu vois. Non, je pense pas.